today i'm going to tell you a story in french about my parents' cat baloo it is a true story it's something that happened very recently and it is quite nice so i thought i would share it with you now as always with my story videos you can click on the link in the description if you want to download the transcript and translation to see how much of the story you understood right let's start Mes parents ont déménagé en début d'année dernière. Peu de temps après, leur chat, Balou, a mystérieusement disparu. Mes parents adoraient vraiment leur chat, un chartreux bien en chair qui aimait beaucoup venir faire des câlins à ses maîtres le soir devant la télé. Malgré de nombreuses recherches, ils n'ont pas eu moyen de le retrouver. Pendant neuf longs mois, ils se sont demandé ce qui avait bien pu arriver à leur gros balou. Avait-il été victime d'un accident de la route? Volé? Ou s'était-il perdu? Et puis, alors qu'une de mes sœurs était venue rendre visite à nos parents avec son chien, un joli berger australien prénommé Nabi, Nabi et Noisette le berger allemand de mes parents se sont échappés. Ma sœur est donc partie à leur recherche. Elle s'est arrêtée dans une ferme voisine pour demander si quelqu'un n'avait pas vu deux chiens gambader. Personne ne les avait vus. Cependant, alors que ma sœur s'apprêtait à quitter la ferme, un gros chartreux est venu se frotter à ses jambes. Il ressemblait vraiment à Balou. Bien qu'il faut l'admettre, tous les chartreux se ressemblent. Dans le doute, ma sœur a demandé à la fermière si c'était son chat ou s'il était arrivé là il y a quelques mois. La fermière a confirmé qu'effectivement, le chat était arrivé à la ferme quelques mois auparavant et qu'elle l'avait gardé. Apprenant à qui appartenait le chat, la fermière a dit à ma sœur qu'elle pouvait le récupérer, si elle le souhaitait. Quelle ne fut pas la surprise de mes parents en voyant leur fille arriver avec leur balou au bras neuf mois après sa disparition. Ils en ont pleuré de joie. Et oui, les chiens aussi ont été retrouvés peu de temps après. Grâce à leur bêtise, Balou est enfin rentré à la maison. I hope you like the story. It is a true story, and I thought it was too good not to share. Now, let me know in the comments below how much of the story you understood before looking at the transcript and the translation. And remember, if you want to download the transcript and the translation, you can do so by clicking on the link in the description. That's it for me today. À la prochaine! Bye.